Les cartes de Political Action sont reconnaissables par leur haut de carte orange brûlé et par leur symbole représentant un toit de bâtiment en forme de coupole. Remarquez que les cartes portent aussi le symbole des cartes d'action, car elles sont jouées de la même manière et avec les mêmes restrictions. Pour proposer un référendum, le minion actif doit locker et mettre face ouverte sur la table la carte de Political Action en question. Les cartes de Political Action représentent des actions légales, litiges épineux ou autres contestations qu'un minion peut apporter en jeu par le biais d'une action. Cette action sera appelée Political Action. Les Political Action ne peuvent être jouées que par les vampires et non par les alliés. Certaines Political Action exigent un prérequis pour être jouées. Par exemple, il pourrait être demandé que celle-ci soit jouée par un vampire possédant un certain titre ou encore un vampire membre d'une certaine secte. Si tel est le cas, la condition sera affichée en gras en haut dans la boîte de texte. Par défaut, et même si cela n'est pas indiqué sur la carte, toutes les Political Actions sont des actions non dirigées à plus un stealth. Elles sont non dirigées même si le résultat du référendum n'affecterait qu'un seul Methuselah. Lorsqu'une Political Action est jouée et n'est pas bloquée, son éventuel coût est payé et un référendum est immédiatement déclenché. Il sera question du référendum plus en détail dans la vidéo qui lui sera dédiée. Les mots-clés se retrouvant sur les Political Actions n'ont pas d'effet en tant que tel. Seulement, d'autres cartes peuvent avoir des effets sur elles si elles sont jouées ou si elles sont en jeu. Si les termes décrits sur la carte sont approuvés lors du référendum, ceux-ci seront immédiatement exécutés. Si aucune indication n'ordonne de mettre la carte en jeu, ou si le référendum s'est avéré être un échec, elle se retrouvera dans la défausse après avoir appliqué ou non ses effets. Finalement, la carte de Political Action peut aussi être défaussée lors de n'importe quel référendum pour gagner une voix. Nous verrons cela plus en détail dans la vidéo concernant les référendums.